t'es en train de lire? Oh, je suis en train de lire le livre qui traite le jardin des anges. C'est un livre dont l'auteur est José Amis, qui s'appelle Les mots du cœur. Ouais. Fait que donc, ça parle des anges là-dedans, c'est quoi exactement? Ouais, c'est super intéressant parce que chaque chapitre a un message qui provient des anges. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme un petit jeu en même temps. C'est ta Bible sur la table de chevet parce qu'à chaque jour, tu peux demander à l'univers de te transmettre un message de ton ange gardien, exemple. Là, ben, tu as juste à feuilleter sans regarder. Puis là, il va te choisir une page au hasard. Autrement dit, tu poses une question, tu mets le doigt dessus, puis... Ouais, tu pourrais poser une question comme tu peux demander un message de l'univers. Ça, là, c'est tellement comique. T'es là, puis... Ben voyons, tu sais. Puis là, tu trouves une réponse, là, en quelque part, là, dans le paragraphe qui est là, qui va répondre à ta question. Oui, exactement. Et tu peux avoir tout le paragraphe au complet. Tu as juste à lire le message qui te concerne. Puis tu vas voir que ça fonctionne. Veux-tu l'essayer? Ouais. Ça marche-tu? Ben là, c'est donc bien comique. Tu t'es-tu posé une question? T'as demandé un message dans l'univers? Ben, j'ai posé une question. OK. Puis là, tu le lis, puis... Ben oui, puis ça répond, là. Ça répond, hein? C'est le fun, hein? Ben oui. Écoute, veux-tu savoir si j'ai acheté ce livre-là? Oui, donc. Hein? Écoute, vraiment pas cher. Je l'ai acheté en boutique en ligne sur le Québec en direct.com. Donc, les gens peuvent se procurer ce livre-là qui est super intéressant puis qui serait un beau cadeau surprise pour le temps des fêtes, pour nos parents, nos amis, pour tout le monde. Ben, en fait, à l'année, pas juste pour le temps des fêtes. Non, mais là, tu sais, les lutins de Noël, ils passent, là. Donc, c'est le temps de l'offrir en cadeau.